Yon lot fwa, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media Now là, depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou encore avec yon lot vidéo. Ministre de la Public Transport et Communication, ingénieur Nadej Joazeïs, visité mardi 30 juin 2020. Plusieurs centaines dans le département centre pays pour garder état avancement travail. Et l'autre information nous avons pour l'inspection générale police nationale là, IGPNH, présenté bilan travail réalisé pendant mois mai et juin 2021. Et puis il profite honoré des policiers pour engagement ou fait pendant 25 ans de service dans l'institution. C'est information ça nous gagne pour. Si c'est premier fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Bombard Media Now là. Et bien nous pas perdre de temps, n'a pas commencé. Cool yeah. Joséphine. Nous avons un chronogramme de travail. Nous avons un chronogramme d'activité qui est en dedans. Donc, l'emploi est créé à 70%. Parce que plus fort, qui est au chantier, là, c'est mon zone. Ok? Donc, c'est opérateurs, ingénieurs, avec quelques personnels, donc qui sont dans l'écoma. Mais la majorité de monde qui est là, ni travailleurs, ni ferrailleurs, c'est la majorité qui sont dans la zone. Donc, nous faisons roulement, nous faisons roulement. Surtout avec les signaux. De temps en temps, nous faisons roulement, donc nous baillons au moins deux quinzaines. Ok, donc après ça, que nous prenons l'autre monde sur le chantier. Pas de aucun problème. Non, pas aucun problème. Le chantier a marché comme ça. Donc. Pas de problème. Non, pas tout le monde porte masque normalement. Non, pas... Tout le monde porte masque. Donc c'est un barrage que nous mettons l'accent sur lui. Donc, masse là, où supposez gagner. Allô, mais nous avons 20 de notre dans l'eau petit, nous passons sur nous barrage. Okay. Mais les vagues d'alors 2 mètres par 2 mètres 50, deux dallons de décennies tout, 2 fois 2 mètres par 2 mètres 50. Donc nous sommes en vingtaine, nous faisons tout voyons. Naout Maïssa Bessal, Marie-Via Canoa, nous va combien par les qui est après Maïssa de ce hein? Qui est après Maïssa? C'est Rivia Canoa. Donc Maïssa là, nous sommes une aide. Tout voyons. Oui, Maïssa. Oui, mais après Maïssa, combien il y a de comment l'état d'avancement est. Dernièrement, nous devons ici, nous devons avancer sérieusement. Il y a 5 ouvrages sur Teshma Issadna. Donc 3 dans l'eau sur Rivière Naran. Et oui, les Naran 1, Naran 2, Naran 3. Et puis il y a 3 ponts. Ces ponts sur Bonbon, hein, qui est 45 mètres. Et puis pont sur Rio Frio qui est 60 mètres. Et pont sur Bonbon, je dis moi au-delà, en fait au-delà. D'ici 21-22 août là fini. Et pont sur Rio Frio. Et tout financé par la Banque mondiale. Ou d'accord léger. Tout pont est financé par la Banque mondiale. Et pont Rio Frio, il a fini en décembre. Donc c'est une très bonne nouvelle.
Et les pensées ont fini. Et c'est nous prenons le grand maïsade pour sortir la Tibonite tête. Et puis là, ça, et je crois qu'il y a deux ravines encore. Rivière Canoa, président, est accentué sur ça. Et Général Rodolphe, là, lui-même qui direction directeur transport, la studio, le travail sur une fête. C'est Léger qui est responsable UCE dans la Banque mondiale. Le, après réception, après mettre Rodolphe, qui est là pour faire suivi. Donc nous, on travaille bien marché dans la zone ça. Et moi, je dis Léger très bien. Bravo. Et d'après philosophie de travail, ça, même, c'est que nous voulons acheter des localités qui sont isolées pour que le trafic soit capable, praticable en tout temps. Et un problème qui est en connexion Maïsade avec Inch, c'est que dans la puis tombé, nous sommes isolés, pas d'accès du tout. Mais surtout que nous finissons tout le reste, donc nous sommes capables de dire que entre Inch avec Maïsade et avec tout le reste côté autour, nous avons des routes qui sont praticables en tout temps, quel que soit l'air. Quel que soit l'urgence qui est, nous sommes capables de prendre route. Et nous faisons plusieurs tronçons comme ça, que nous avons fait tout, qui est financé par le Banque mondiale pour le ministère des Travaux publics. Et nous avons Inch Maïsade, nous avons Titan et Sodo, nous avons Marchand de Saline, Saint-Michel. Et nous avons plusieurs comme ça que nous faisons. Et avec toujours la même stratégie, rendre route praticable en tout temps. Et après quoi, il y a des améliorations que le ministère continue à faire tout. Une fois que nous finissons de stabiliser un tronçon comme ça, et le ministère divise ces tronçons ça pour être capable de faire entretien dans le cadre fer. Donc c'est là qu'il faut un entretien routier. Donc qui immédiatement, le tronçon ça veut un tronçon qui est éligible pour qu'il soit capable de faire entretien sur lui. Donc c'est un peu ça. Donc nous voyons que Gampil travaille, Gampil point, que le ministère a intervenu sur lui, avec appui coopération, avec appui fonds publics, tout, Gampil travail qui a fait efficace. Le travail sur une fête, la réception sur une fête. Donc c'est y a remettre dans le travail public, c'est Rodolphe qui a géré pour ça après. Banque mondiale finance le projet pour le ministère des Travaux publics. Mais le ministère des Travaux publics a dit que c'est lui-même qui va le mettre d'ouvrage à ce moment. C'est lui-même qui va le mettre tout ouvrage ça. Mais par le biais de direction, qui est la direction des transports. Direction des transports qui est occupée de affaires ouvrage d'art et de route nationale en termes d'études, en termes de conception. Donc nous allons prendre ouvrage ça. On a créé une banque de données pour nous faire inspection de très souvent, pour qu'on ait état ouvrage, pour de telle sorte que si on a un problème, pour nous faire prévention. Chaque fois que un bailleur finance un ouvrage ou bien une route, c'est direction travaux. C'est ministère de maîtrise. C'est pas pour bailleur, c'est pour ministère. Et ministère de côté parle, il est bien content, faire réception ouvrage ça. Et à ce moment, on a fait tout suivi qui gagne. Et suivi ça au cap fait dans le ministère, c'est à travers la direction des transports lorsqu'il s'agit de ouvrage d'art de route nationale. Jamais. Ici, malheureusement, on fait des programmes, mais on ne sait pas. On a beaucoup de temps pour terminer avec la route. Bon, mais c'est pas. Il y a encore un juste là. À chaque fois, il faut négocier. Oui. Le cas nouveau. Oui, le cas de Pignon qui est résolu, soi-disant résolu, parce qu'on a reçu l'autorisation du maître de l'ouvrage et du maître d'œuvre. Voilà. Ça veut dire, nous avons fait un canal pour amener les eaux, la rivière Quim s'appelle. Ils demandent de faire, ils ont raison, pour faire des dallettes pour passer d'un côté à l'autre. Mais au lieu de demander, ils bloquent la route avant de demander. Et donc maintenant, il y a notre géotechnicien qui est là, qui a été bloqué, elle a été obligée à descendre de la voiture.
Ils ont pris la voiture et elle est là à attendre. Là où c'est la goutte de commande de 100 tonnes est bloquée là-bas. Voilà pourquoi. Ce pont-là, il est. Il faut rester en contact avec les gens. Je suis en contact avec lui. Ah, toujours, hein, au moins 4 fois par jour. Ce matin, ça, celui-là, on est en contact. Là, vous voyez, ce pont, il est en retard au moins de 3 mois parce qu'il a été bloqué de l'autre côté au PK2. Il y avait des expropriations. Il a été bloqué pendant au moins 3 mois. Et donc, on pouvait travailler seulement de cet endroit, mais pas de l'autre côté. Ok, yo bam garanti d'ici mois juillet, août et machine qui va passer sous lui. Et yo fait virage ça, c'est pour éviter machine qui va passer dans centre ville là. Et ça entre droite dans route et Saint-Raphaël. Donc avec route ça va aller droit au cap. Donc ou même avec le directeur travaux et transport là. Cap suivi avec Razor. Et yo sous-traité là avec Mathia et Koma. Donc moi travaille avancé. Donc c'est ça dont besoin. Et yo bam garanti tout. Route et Saint-Raphaël là d'ici mois, novembre, décembre qui a fini. On a un grand délai devant nous-mêmes pour nous presser. Et nous gagnons moins de 20 mois pour nous être là pour nous comment va marcher. Déjà, il prend trop de temps. Son travail qui commence en 2017, qui était de finir déjà. Bon, il dit non, pas qu'être contrainte et des gens qui ont soulevé sans nécessité. Au lieu de parler avec nous, le premier bagage qu'il fait, c'est barrer. Pour haïtien commencer à comprendre. Et pour barrer, il fait dans l'autre genre. Ou bien on doléance, ou présenter lui. Et c'est si on ne peut pas faire, on peut manifester. Donc avant de présenter doléance, c'est bloqué, on commence à bloquer. Donc moi, je trouve que c'est un peu sauvage pour nous changer de comportement. Donc moi, je travaille à marcher. Et c'est ça, on a marché, ouais. Comment vitesse travail est passée. Et nous perdons un peu de temps avec le pays lock et puis le coronavirus pour nous multiplier les fonds pour nous capables de vivre côté de nos rivières. Expropriation, c'est ça, la politique. C'est sous compte des travaux publics, plus souvent expropriation qu'on fait dans le printemps, pour des raisons ou l'autre, mais je crois qu'on y a yo, avec le ministère des Finances et travaux publics qui mettent sous pied en commission qui est le CPA, bah, yo aller beaucoup plus vite et plus bien qu'on y a. Je crois qu'on traite qui est bien longtemps, on va bien encore qu'on y a. Nous avons culé qui est en béton, pile en béton et puis poutio en structure métallique. Ce sont pour mix que les 260. 6 mètres à 70 mètres, Jean, ministre de l'Affection Doula. Pense à trouver ce contournement de la ville de Hèche. Au lieu que machine passe en Hèche, nous contournons la ville là. Nous allons sortir 7 km plus haut pour continuer. Son tronçon de route qui Hèche Saint-Raphaël, de longueur 43 km. Nous avons près de 27 km qui est asphalté, en attente de signalisation. Pense à, depuis les fines fêtes, et rechausser dans le contournement fin fête. Au lieu de rentrer dans la ville de Hèche, on va passer dans le contournement pour continuer Saint-Raphaël. Donc, c'est justement ces projets que le ministre va visiter. Nous allons continuer visitant sur toute route là pour nous garder avance pour le projet, pour nous garder exactement sa supervision, se dit nous, est-ce que l'a fini. Il y a deux films qu'il a, pour me préciser pour nous. Il y a un film qui a fait supervision, c'est ESC Bonifica. Et on groupement, on l'autre groupement qui a fait exécution projet, c'est Razel Vob. Donc, pour exécution, Bonifica ESC pour supervision. Ça veut dire, l'ingénieur Kali, qui t'a pas la ministre là, c'est lui-même qui est chef de mission, qui représentait supervision. Donc, on a dit, c'est lui qui représentait, j'ai maître d'ouvrage, maître d'œuvre là. Maître d'ouvrage, c'est le bon, maître là, c'est le ministère des Travaux Publics. Et bien, d'œuvre délégué, c'est la direction des transports, c'est à travers moi-même la direction là, qui prend tout ça en charge, qui fait suivre. C'est genouillé, tu as surveillé pour nous. C'est un contrat qui nous balie, pour surveiller pour nous. Il y a des rapports pour nous faire tout le temps. Qu'est-ce que ça va marcher pour les nous? Il y a des rapports, donc chaque. Tout le temps, tout le rapport qui vient sur ouvrage, sur route là, c'est Dieu qui l'a payé pour ça. Là, je paye pour ça. On l'a payé pour cela, pour la supervision. Donc, c'est lui qui représente le ministère pour surveiller le travail, la qualité que
entreprise à bail. Ça m'a l'entreprise à entrepreneur. Film et groupement d'exécution Brazel Vop. C'est lui pour surveiller pour moi. Je suis là tout le temps, mais je paye pour ça pour être capable de superviser. Notre enquête pendant deux mois, ça y est, c'est 42 enquêtes ouvertes. Nous gagnons 26 plaintes. Rapport interne de la PNH 12. Saisine d'office 4. Graphe évolutif et enquête ouverte, monsieur que nous avons sous écran. Ça qui est pire, c'était mois de janvier, côté que nous avons 91. En mars, nous avons 49. Et en juin, 42. Allégation des dossiers en cours de traitement pour les mois de mai et de juin. Abus d'autorité, 1. Abus de confiance, 3. Abus sexuel, 1. Accident de la circulation, 1. Attitude irrévérencieuse, 1. Agression physique, blessure grave, blessure par balle, 2. Complicité d'enlèvement, youn. Conflit terrien, youn. Corruption, youn. Dette, 3. Homicide, 4. On a continué avec allégation, yo. Nous avons incident au Cap Haïtien le 10 juin 2020, youn. Insubordination, youn. Manquement au règlement, youn. Mauvais traitement, 1. Menace, 4. Perte d'armes, 3. Perte de documents, 2. Refus de prendre soin, 2. Tentative d'assassinat, 1. Violence, 3. Voie de fait suivie de menace, 1. Vol de véhicules et association de malfaiteurs, 1. Total, 42. Graphe représentatif, là, allégation dossier, ça, que nous peut parler, il y a sous écran, mais nous disons que ça qui est pire, c'est abus d'autorité, abus de confiance, abus sexuel. Après ça, nous gagnons corruption, dette, homicide. Pour finir, nous gagnons menace, perte d'armes et perte de documents. Acte d'enquête réalisé. Convocation 42. Audition, plaignant et mise en cause 43. Confrontation 4. Médiation 25. Invitation 5. Rétention de chèque 2. Mesure conservatoire 2. Levée de mesure conservatoire 1. Isolement 5. Levée d'isolement 2. Ordre de mise en de mission d'enquête 8. Total 136. Rapport d'enquête signé et expédié au DGPNH pour les mois de mai et de juin 8. Nous avons encore graphe représentatif des dossiers traités et expédiés au DGPNH de janvier à mois de juin 2020. Ça qui est pivot, c'est janvier, ou du moins c'est février et avril. Nous avons février 30, avril c'est 35. Quantité dossiers traités janvier à juin c'est 122. Recommandation suite au dossier d'enquête. Révocation 3. Suspension 7. Blâme 1. Réprimande 1. Avis au plaignant 2.
Autre conseil, adressement, préconisation 2, total 16. L'opportunité, ça nous dit, pour saluer deux policiers extraordinaires. Parce que habituellement, nous toujours pour l'inspection générale, nous toujours à sanctionner. Alors aujourd'hui, nous publiquement, nous devons faire devant la presse, publiquement, pour nous dire merci avec les policiers Sao. C'est monsieur Sao, commissaire Bélimère, qui a une carrière extraordinaire dans la police, qui passe en pile poste. Aujourd'hui, arrivé commissaire municipal de la commune de Delma. Inspecteur Joachim lui-même, c'est le même qui est responsable de circulation au niveau de la commune de Tabar. La pluie, soleil, tout bagaille, monsieur on est là, oui, hein, le pape, j'aime décourager. C'est donc la carrière inspection générale, le DGPNH, par mon organe, le responsable général en chef, nous disons merci. Monsieur, l'institution est fière de nous. Donc, c'est la raison pour, la raison pour laquelle. Je remercie monsieur une plaque d'honneur. Inspection générale de la police nationale d'Haïti, honneur et mérite au commissaire municipal Bélimère Lavaux pour les sacrifices consentis et les services rendus à la, police, à la population haïtienne au cours de sa carrière. Mes chers, félicitations, commandant. J'espère qu'on continue comme ça. 25 ans de service pour ce que ça a gagné dans la police. Et son exemple pour petits jeunes qui ont monté pour suivre la trace de ça. C'est même contenu à l'inspecteur divisionnaire Antoine Joachim. En plus, mon monde, mois dernier, là, tu as été voyé dans toute la presse, là, dans toutes les réseaux sociaux, tu as parlé de Kassa. Il doit respecter la mise en appui. Alors, si on met ça à nouveau, tout petit jeune, de suivre trace, monsieur Saouda, on fait ça qui est bon. On ne pas entrer dans ce qui est illégal. Comme inspecteur Joachim, félicitations. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne. Non? Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons la vidéo pour être capable de joindre nous. Son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.